Niveau 6ème. Dès qu'on voit ensemble les bases de la rédaction, okay. Pour commencer une rédaction, même si ça prend du temps, il faut un brouillon. Ouais, c'est important. On se croit souvent les rois, mais on ne l'est pas vraiment. Et on voit mieux où on va quand on fait un plan. J'ai des phrases courtes, j'utilise des mots faciles. Si tu veux compter, écoute jusqu'à la fin de ton récit. C'est la base, mon pote, autant que la ponctuation. Elle peut être forte, comme les points d'exclamation. Comme les points de suspension, tu sais, sortie, point. Ou les points d'interrogation, ou encore le point d'avant. Elle peut être faible, quand une pause s'impose, faut une virgule. N'oublions pas qu'une phrase commence par une majuscule. Avant de faire une rédaction, voyons pour la construction. Fais toujours des phrases courtes, accord déterminaison. Pour satisfaire mon air et le rendre fier. Construire un paragraphe, il faut que tu fasses gaffe aux fautes d'orthographe. Au pluriel à la fin d'un nom, on met S sauf exception. Pour les verbes, la conjugaison donneront leur terminaison. Y'a des plurals un peu bizarres pour les groupes nominaux. On dit pas les animaux, non, on dit les animaux. Pour les genres masculins, féminins, à votre avis, qui l'emporte? À l'écrit, c'est masculin, mais en vrai, c'est nous les plus forts. Les homophones, y'en a plein, quel plein, plein, et son. Quand tu les écris, il faut que tu fasses attention. C'est le sens des mots qui dit comment ils s'écriront. Avant de faire une rédaction, dictionnaire si tu te perds en grammaire. Mais ça peut aussi servir pour varier ton vocabulaire. Éviter les répétitions, c'est relou les répétitions. C'est pas beau les répétitions, c'est pas bon les répétitions. Je crois que mes répétitions t'ont bien saoulé. Donc dans tes rédactions, évite de te répéter. Un langage approprié, t'auras pas les oreilles qui sifflent. Ma vocabulaire relâché, trouve les bons adjectifs. Pour rédiger un texte, il faut que ce soit lisible. Si on se relit pas, les erreurs sont possibles. Avant de faire une rédaction, voyons pour la construction. Fais toujours des phrases pour t'accord déterminé. En écoutant cette chanson, vous maîtrisez toutes les notions. Il ne reste qu'à les appliquer pour réussir ta rédaction. Ok.